Mes frères et sœurs, chers amis, moi salue nous dans nos Jésus. Moi ça c'est content pour moi avec nous. Nous pour faire lecture nous dans Prophète Éloi chapitre 3, l'orgueil dans la prospérité et nous ouais c'est eh bien apostasie Salomon. Eh bien nous ouais depuis longtemps Salomon lui-même était eh bien qu'on exalté loi divine non. Et bon Dieu lui-même était avec lui. Saint éternel des amis, papa nous qui sommes dans le ciel, nous bénissons, nous vous remercions pour grâce. Vous voyez l'esprit dans la vie nous pour nous capables de comprendre la parole. Pardonnez faute nous, yo. Retirez la différence avec l'esprit apparence pour que nous capables de gagner révérence, pour que nous capables de gagner humilité, pour nous non seulement comprendre la parole, mais pour servir nous comme un exemple. Afin que nous ne pas tomber dans l'apostasie, dans l'iniquité, pour ne pas désobéir à la voix ou faire nous grâce. Bénis-nous au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous, depuis longtemps, eh bien, Salomon lui-même était exalté la loi divine. Il est ça, bon Dieu était avec lui. Sagesse qu'il était joint, eh bien, te permet qu'il ait gouverné, eh bien, Israël d'une façon qui. Eh bien noble lorsqu'elle était commencée eh bien régnant eh bien nous capables à lorsqu'il la prospérité et les honneurs terrestres eh bien lui-même était favorisé lui et il était toujours été humble et il était gagné une grande influence. Salomon lui-même il était dominé sous tout royaume depuis neuf fleuves et fouette là, jusqu'à arriver dans le pays philistin et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il était gagné la paix, eh bien, tout côté, dans tout alentour, Juda et puis Israël. Il était habité en sécurité, chaque, eh bien, était sous, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon, pendant qu'il était régné. Nous sommes capables de jouer ça dans 1 Roi chapitre 4, verset 21, 24, 25. C'est paragraphe 1 dans chapitre 3, prophète et roi. Mais après l'aube d'une vie riche en promesses, nous voyons, eh bien, Salomon lui-même, il est venu rentrer dans l'apostasie profonde. Et Chrétien lui-même, lui rapporte nous que c'est un bagage qui est vraiment douloureux. Et bien, ça que lui-même était recevoir. Et nous parlons dans 2 Samuel 12, verset 25. Et bien, nous voyons dans 2 Samuel 12, verset 25. Qui ça lui dit nous? 2 Samuel 12, verset 25. Il est dit, il est remis entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom Jedidja à cause de l'Éternel. Et mes frères et sœurs, nous voyons ça, c'est bien-aimé de l'Éternel, que le Seigneur t'ait honoré dans faveur par sagesse remarquable dont il avait doté et qui lui valut une renommée mondiale. C'est lui qui enseignera aux autres à rendre honneur au Dieu d'Israël. C'est lui donc se détourna, dit-il, de l'Éternel pour adorer les idoles des païens. Nous sommes des siècles avant que Salomon te monté sous ton nom. Eh bien, bon Dieu lui-même était prévoyant, eh bien, danger qui assaillirait le roi d'Israël. C'est ça que fait, il était by Moïse. Eh bien, des instructions pour que vous soyez capable eh bien servir de génération en génération comme guide. Alors des ordres qui étaient prescrits que tout le monde qui t'a eh bien régner sous trône yo eh bien yo t'a écrit un livre qui c'est une copie dans la loi qui était capable eh bien devant et sacrificateur et lévite
et il devrait l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il soit capable pour il est capable de gagner crainte pour l'Éternel, bon Dieu, pour être capable d'observer et mettre en pratique toute parole, la loi, et bien qui est écrit devant vous et ordonnance vous, afin que vous, et bien ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Et lui et ses enfants au milieu d'Israël. Nous sommes capables de jouer ça dans Deutéronome 17, verset 18 à 20. Eh bien, mes frères et sœurs, chers amis, en rapport avec l'instruction ça yo, bon Dieu t'a averti tout particulièrement moun qui pral recevoir l'onction royale de ne pas avoir eh bien un grand nombre de femmes. Ça veut dire moun ki pral royo. Bon Dieu t'a déjà écrit ça pour qu'il n'y ait pas de gain un grand nombre. Ça veut dire comme en tant que roi sous terre, il y a une priorité. Nous capables de comprendre ça. Dans un royaume, eh bien, dans la nation, ça, côté que moun sa renié, il y a un pouvoir pour prendre n'importe quelle femme qu'il y voulait pour qu'il soit capable, eh bien, faire lui devenir madame li. C'est ça que fait bon Dieu te guetant écrit, les dit yo, eh bien, dans ça qu'il était écrit pour yo, dans l'instruction, pour yo pas te gagner un grand nombre de femmes, afin que yo pas détourné, et pour que yo te capable, eh bien, pour que yo te capable, pour qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Nous capables de jouer ça dans Deutéronome 17, verset 17. Eh bien, Salomon lui-même, il te connaît très bien instruction ça yo. Il en tient compte pendant un certain temps. Il était vraiment absuivi yo depuis le début qu'il était commencé à régner. Il était toujours absuivi eh bien instruction ça yo. Son plus grand désir était de vivre et de gouverner selon les préceptes donnés au Sinaï. C'est ça que Salomon lui-même n'était li gagné. Et nous, en l'air, il dit nous, Salomon t'a vivant en paix. Tout un bien pays qui était tout près, alentour de lui, il était en sécurité avec lui, lorsqu'il respectait la loi de l'Éternel. Eh bien, là, nous, eh bien, il était à vivre et gouverner selon précepte que bon Dieu lui-même était by Moïse au Sinaï. Et la manière dont il dirigea les affaires de son royaume contrastait vivement avec les coutumes des nations de cette époque, qui ne craignaient pas Dieu et dont les chefs foulaient aux pieds sa sainte loi. Alors nous capables, journée aujourd'hui, en tant qu'Adventiste 7e jour, en tant que peuple bon Dieu, nous capables eh bien garder vraiment comment bagaille va dérouler. Alors lorsque Salomon chercha à consolider ses rapports avec le puissant royaume du sud d'Israël. Écoutez, oui, mes frères et sœurs. Lorsque Salomon chercha à consolider ses rapports avec le puissant royaume du sud d'Israël, il s'aventura sur un terrain défendu. Satan connaissait les résultats de l'obéissance. Même pour nous, même en tant que chrétiens qui vivons jour et jour, Satan connaît nous chaque. Et il connaît le résultat obéissance. C'est pourquoi, au début du règne de Salomon, glorifié à cause de sa sagesse, de sa bonté et de sa droiture, ce grand ennemi s'efforça de faire jouer des influences qui mèneraient insidieusement la royauté du monarque et la mèneraient à se séparer de Dieu. C'est yon premier bagay Satan toujours fait. Nous, même dans le jardin d'Eden, avant qu'il li, eh bien, domine messieurs dames, il cherchait à couper relation ou du moins communication avec Dieu. C'est une raison, eh bien, dans manière doctrinale, Satan travaille pour rentrer peuple ou du moins serviteur bon Dieu dans l'apostasie. L'Écriture nous rapporte comment il réussit à atteindre son but.
Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Mes frères et sœurs, chers amis, avis humain, ce mariage, bien qu'il est contraire au enseignement de la loi divine, nous avons regardé, humainement parlant, mariage, ça, bien qu'il y ait au contraire avec enseignement, loi divine, non, un blessant, blessé, une bénédiction. Mes frères et sœurs, chers amis, ça, c'est une phrase qui est assez intéressante pour nous-mêmes qui vivons dans les derniers temps. Nous voyons comment Satan lui-même lui cherchait un plan pour détourner Salomon, bien qu'il était bien commencé avec sagesse, bonté et droiture, selon la volonté de Dieu. Mais Satan cherchait tout moyen qui possible pour détourner lui, eh bien, de la voie de Dieu, pour couper, ou dimanche, pour séparer lui avec bon Dieu. Et nous voyons, humainement parlant, ou dimanche, pendant que l'homme a regardé, bien que mariage là pas fait nan volonté bon Dieu, mais pour moun ki ap gade imènman avec zye imè yo, yo mariage ça c'est une bénédiction. Car la femme païenne de Salomon s'est convertie et s'est joignie à lui pour adorer le vrai Dieu. Ça veut dire Salomon prend femme n'était capable dire païenne nan, li fait semblant qu'elle est convertie. Li vin adorer vrai Dieu, mais pourtant aux yeux de Dieu sont apostasie. Nous même qui vivons dans dernier temps, eh bien ça c'est un danger pour nous qui pourquoi soit fait choix ou dis-moi ce qui gagne, eh bien l'idée a fait choix. Et mariage ça nous capable considérer li pas seulement des yon fille avec garçon, mais nous capable considérer li tout, eh bien de l'église bon Dieu. Nous pas doué eh bien faire n'importe alliance parce que mariage là li défini par alliance tout dans sens spirituel ou prophétique. Alors mes frères et sœurs, chers amis, de plus Pharaon rendit un service important à Israël en s'emparant des Gouezés, en tuant les Cananéens qui habitaient dans la ville et en la donnant pour dot à sa fille, femme de Salomon. Nous ouais, mes frères et sœurs, chers amis, Satan gagne un plan qu'il lui jouit. Il n'y a pas de problème pour capable eh bien passer tout le lien en bas pied pour rendre yon moun perdu. Ça veut dire Satan lui-même il n'y a pas de problème avec n'importe moun. Même si dans camp alia il y a des problèmes qui posaient, il n'y a pas de problème avec ça pour qu'il soit capable de faire alliance là. Même si alliance là des fois gagne des bagages qui pas paraît bien, mais li obligé faire pour perdre. Nous pral wè ça par rapport à eh bien action eh bien Pharaon li obligé bay un service à Israël. Un service important même si li pa ta fè le plaisir, mais li obligé faire, c'est juste pour séparer eh bien roi avec bon Dieu. Alors nous ouais, celui-ci rebâtit cette ville et fortifia apparemment son royaume sur le côté méditerranéen, mais en contractant une alliance avec une nation païenne et un mariage avec une princesse idolâtre, Salomon méprisa imprudemment les sages conseils de Dieu pour maintenir la pureté de son peuple. L'espoir que sa femme d'origine égyptienne pourrait se convertir n'était qu'une faible excuse pour son péché. Mes frères et sœurs, chers amis, c'est là que nous avons bien arrêté. Nous arrêté dans page 37, paragraphe 1. Pas oublier, nous avons bien fait lecture nous dans Prophète et Roi, chapitre 3. Eh bien, titre là qui dit orgueil dans la prospérité, nous c'est l'apostasie de Salomon. Alors mes frères et sœurs, chers amis, nous qui avons vécu dans dernier temps, nous pas seulement garder eh bien alliance yo, ou du moins ce mariage là entre yon
yon om avèk yon fam, byen ke li ase enteresanto pou nou menm ki a fè chwa yo, pou nou pa lese nou sedwi nan plan ke Satan li menm li kriye pou detounen nou de la vwa de Diyo, e li ase importanto pou nou konen ki nou menm an tanke kretyen, alians yo, moun ki se ajan di diab yo, le a fe alians yo, menm si yo ta pedi 10 000 moun nan kan yo, yo pa gen problem pou yo pedi 10 000 moun nan kan yo, pou yo kapab ganye alians sa avek ou, jis pou yo rempote viktwa sou priorite ki yo te genye nan relasyon avek bondi. Sa vle di le ajan Satan ap servi, li pa gen problem pou moun ki nan kan li detwi, men pou ke li kapab fè zanmi avèk ou. Bon diye li menm li pa dako yon yo ta soti nan komadman li yo, nan lwa li yo pou ke pep li kapab fè alians. Men Satan se le kontre. Satan pa gen problem pou ke tout sa ke li pa dako avèk li, men yon sel ti bagay ke li jwen nan ou, ke ou asepte avèk li pou ke li kapab konsidere l, menm si li pedi tout lot bagay yo. Se sa fè nou dure pou ren pozisyon pou nou konen ki nan viv nan denye tan, ebyen se la nou rete pou jodi ya, ke bon diye kapab bene nou. A la pochen.